auxiliaires de l'Assemblée nationale. Je le dis, en passant les détachements en revue, les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Outi commande à Boni Boni, Assemblée nationale, à Outi Kokanga, session il y a mars. Session où il y a caractérisé essentiellement dans l'activité phare, le cola Kovandisa Nangwende, gouvernement où il y a désormais, na moi na mboka, ndona na biso, maman Judith Suminwa. Si ma ya Kovandisa gouvernement en place, to kokai ko sala ba recommandation, le cola. Kota la boni boni ba passi au peuple azali ko connaître notamment ko tchamayele sur makambo ya bitumba na est ya mboka boni ko réfléchir sur de résolutions probantes au komema c'est que ba na mboka balongo na passi au to bengi question sociale et bokoye ba lisusu que biso ba ponami ya mboka si Mayako vendit sa gouvernement et Sengela qui tozoa audace ou encore topé sa autorisation na gouvernement ou wapi akoyeba ko proroger état de siège bisika eko sengamela parce que tozai ko kinde na vacances tolingite que si manabiso république abimisa lisusu lomeya pona ko zongisa biso na session extraordinaire nde yango wana to huit ko zaba disposition linge sengeli pour que même si manabiso pendant que tozai na kati ya mboka et tozai na république tozai na vacances parlementaires gouvernement ou tout ko vandisa bayeba ko zaba disposition de linge et sengeli et topesi ba recommandation ebele si ma yako vandisa gouvernement et biso wana to bengami yako zonga bisika ba pesaki biso mpifo pour que to yako lobela bango to zongisa la bango boni boni to tamboli outa na session extraordinaire ou efongwama mokolo ya le 29 janvier et s'enchaîner na session ya mars et to yebisa peuple nini sito lobeli et boni boni to zwa pe makambo ya bango ya pasi pour que to yanango na session ya septembre ou kozala spécialement session budgétaire. Honorable député, chers collègues, la saison qui s'achève aujourd'hui met à Paris sous le signe du courage politique, de l'abnégation et de la détermination des élites qui ont compris que le moment est venu pour construire une cohésion autour des intelligences responsables, de faire un front indivisible face à tout ce qui rend indigne la République démocratique du Congo. Je me demande si dans cette salle, il y a un seul député qui peut dire que la guerre à l'est du Congo, c'est une bonne chose. Non. Il y a des choses qui touchent à l'intérêt général de notre pays, aux besoins de notre population, qui n'ont pas besoin de nos discussions et débats stériles autour de la majorité et de l'opposition. Votre assiduité, comme je l'ai relevé plus haut, est la preuve supplémentaire de l'engagement de la Chambre basse de ne pas lésiner sur aucun effort pour redorer le blason du député à sa qualité de grand serviteur du peuple souverain. Nous sommes ici appelés à aller vers nos électeurs pour obtenir leur adhésion au programme du gouvernement et à leur parler du soutien dont a besoin le gouvernement de leur part pour concrétiser le programme ambitieux qu'il a présenté devant vous. Nous partons en vacances parlementaires, honorables députés, nous avons l'obligation de vulgariser le programme du gouvernement, chacun dans son fief électoral, pour emporter l'adhésion de la population. Et c'est de cette façon-là que nous allons bâtir un Congo nouveau. Je suis davantage confiant car je sais qu'au plus haut de ses préoccupations, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, met un accent particulier sur l'efficacité de l'État comme service aux populations. C'est ici le lieu pour moi de remercier encore une fois le personnel de l'administration de l'Assemblée nationale qui s'est donné à fond pour que cette session puisse réussir. Je remercie aussi les membres du bureau, mes collègues ici à mes côtés, qui n'ont eu aucun répit
avant de prendre le taureau par les cornes pour réaliser cette activité hautement parlementaire qu'est la session actuelle. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir pour y puiser les forces nécessaires en vue des parachèvements de notre devoir sacré, la transformation des conditions de vie de nos compatriotes. Nous clôturons cette session avec l'esprit de la situation de l'Est du pays qui est encore fragile à cause des velléités bellicistes de nos voisins le Rwanda et l'Ouganda. Nous ne perdons pas de vue que la victoire sur l'axe du mal est certaine et que notre peuple fait pleinement confiance au commandant suprême des forces armées pour bouter hors de notre territoire les ennemis de la République. Nous sommes conviés tous à saisir l'importance de la collaboration et de la solidarité entre nous, chers collègues, car nous nous devons d'encourager toute initiative qui ramène la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Honorables députés, membres du bureau, honorables députés et chers collègues, maintenant que nous clôturons cette session, vous allez en vacances qui en réalité n'en sont pas une. Vous allez dans vos fiefs respectifs pour communier avec votre électorat et palper les réalités du terrain. À la fin, conformément à l'article 145 du règlement intérieur, vous avez l'obligation de produire un rapport à déposer à la prochaine session. Cela va permettre à notre institution d'avoir la vraie réalité de la base quant aux promesses faites et d'évaluer les niveaux d'exécution du programme du gouvernement. Honorables députés, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, nous avons placé la diplomatie parlementaire au cœur des actions de l'Assemblée nationale pour défendre notre pays dans toutes les rencontres et toutes les organisations en Afrique et dans le monde d'une part et d'autre part comme un atout pour la recherche d'une paix durable. Je ne saurais terminer mon discours sans apporter une clarification et un témoignage. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 dollars. Cette chanson doit disparaître car aujourd'hui les députés, tout avantage confondu à 14 millions de francs congolais. Et le chef de division a près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre la tension salariale. Je voudrais dire que je ne pouvais pas terminer mon discours sans apporter une clarification et un témoignage. Clarification. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, et toutes ces ONG qui créent des chiffres, et d'ailleurs le rapporteur a été instruit par nos soins, il a appelé ou écrit, vous avez écrit, à l'ONG qui avait prétendu que les députés auraient reçu des sommes faramineuses, de venir ici à l'Assemblée nationale, les portes sont ouvertes, qu'il nous apporte ses preuves et qu'il consulte nos livres au niveau de la comptabilité. Sa réponse, il ne sera disponible qu'en début, la première quinzaine du mois de juillet. Mais pour écrire sur les réseaux sociaux, il était disponible. Et ceci doit cesser parce que ceci peut conduire au pénal. Et le procureur de la Cour de cassation doit se préparer puisqu'il y aura beaucoup d'actions dans ce sens-là. Je n'accepterai pas qu'on puisse ternir l'image d'une aussi grande institution de la République. Donc je voudrais dire à haute intelligible voix que le salaire du député est de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Aller dans les banques, ça se passe au niveau de la banque, et alors cessez d'inventer des histoires. Je voudrais vous remercier, vous, honorables députés, d'avoir accepté que votre salaire qui était rejeté par la population
soit divisé par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Madame la Première ministre, nous tenons à vous rassurer qu'on ne va pas vous demander une augmentation des salaires des députés. C'est ma parole. Pendant tout cet exercice budgétaire, nous serons ensemble, comme vous l'avez souhaité, nous allons échanger sur des questions essentiellement qui touchent le bien-être du peuple congolais, l'accomplissement de votre programme pour que notre pays, finalement, recouvre sa place naturelle qui est celle des locomotives du décollage de l'Afrique subsaharienne et son rôle dans le monde en ce moment du réchauffement climatique. Le Congo a des solutions à proposer au monde et le Congo doit être respecté, protégé et les Congolais avec la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ainsi, nous clôturons la session de mars de l'Assemblée nationale. À nous revoir très prochainement. Clôturer la session du mois de mars et le point orgue de cette session a été l'approbation du programme d'action du gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa et l'investiture du nouveau gouvernement. Et je crois que dans ce programme d'action du gouvernement, le point le plus important c'est le retour de la paix à l'est de notre pays et particulièrement dans la province du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. Puisque vous savez très bien aujourd'hui, nous ne pourrons rien faire sans le retour de la paix. Et il y a une grande exigence aujourd'hui pour le gouvernement, avec l'accompagnement des élus du peuple que nous sommes, les députés, pour que nous mettions fin à la guerre injuste nous imposée par le pays agresseur. La grande préoccupation et la priorité des priorités, c'est le retour de la paix à l'est de notre pays. Et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement de la République, accompagné par les élus, l'Assemblée nationale particulièrement, nous nous sommes engagés de travailler main dans la main avec le gouvernement pour que la paix revienne à l'est. Puisqu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, face à cette guerre injuste nous imposée par les pays agresseurs, a l'obligation de ramener la paix pour nos populations de l'Est du pays. Puisque sans la paix, nous ne pouvons pas envisager le développement. Puisque le deuxième point important du programme d'action du gouvernement, c'est le projet de développement qui sont dans ces programmes d'action du gouvernement. Mais pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons le développement, il faut absolument la paix. Et j'étais aussi très heureux de voir que dans le programme de Madame la Première ministre, il ne suffit pas de nous donner un programme que nous avons d'ailleurs adopté à l'unanimité, mais surtout la mise en œuvre de ce programme. Et je suis très heureux que dans
le programme qui nous a été présenté, il y a eu un engagement ferme de Madame la Première Ministre sur le suivi et évaluation. Donc, l'Assemblée nationale, le député et sénateur, puisque nous sommes dans une chambre bicamérale, veilleront sur le suivi et l'exécution du programme. Et nous nous sommes convenus que trimestriellement, nous devons faire cette évaluation. Et le point aussi sur lequel nous tenons à souligner, nous particulièrement au niveau de l'Est, c'est les infrastructures, la réhabilitation, la construction des infrastructures routières qui devra permettre le désenclavement de notre pays. Vous le savez très bien, là où passent les routes, passent les développements. Et pour la province du Sud-Kivu, nous avons les routes principales, principalement la route nationale numéro 5, qui relie Bukavu, Uvira jusqu'à Fizi. Nous avons la route nationale numéro 2, qui relie Bukavu, Kabare, Calais jusqu'à Goma. La route nationale numéro 3 qui relie Bukavu, Miti, Ombo, jusque dans la province du Nord Kivu. Et nous avons aussi la route prioritaire sur laquelle nous insistons. C'est la route provinciale Bukavu-Shabunda. Enfin, nous avons une route qui est en construction aujourd'hui, la route qui relie les territoires dits du Nord au Sud. Toutes ces routes qui ont été déjà implémentées et dont les travaux pour certaines sont en cours. Nous insisterons avec le gouvernement Toluca pour que ces routes soient réalisées. Ce n'est que par les routes que nous pouvons trouver le développement. Voilà donc ce que je peux dire. Sur le plan économique et social, si nous avons les routes, le projet d'agriculture qui sont aussi soulignés dans ce programme permettra l'autosuffisance alimentaire de notre population. Donc, nous nous sommes engagés et le gouvernement et l'Assemblée nationale. Nous allons travailler main dans la main pour que le programme et la vision du président de la République, le peuple d'abord, d'apporter les solutions aux problèmes de la population, soient une réalité pendant ce quinquennat 2023-2028. Depuis que nous étions élus, ça fait 6 mois pour que nous ayons les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Et c'était difficile parce qu'il y avait des tractations politiques, il y avait des guerres internes, mais aujourd'hui, le bureau définitif est là et nous sommes aussi contents parce que le gouvernement, tant attendu, est disponible. Et nous sommes contents parce que pendant cette session, une session très courte, on a eu simplement à aider le gouvernement à bien faire son travail. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin et nous sommes contents parce que nous allons à la vacance. Ce n'est pas pour se reposer. Nous allons nous rendre compte des vrais problèmes qui touchent la population. Et nous qui sommes de Kinshasa, nous avons aussi des problèmes. Moi, je suis de la Tchangou. Tchangou, c'est le district le plus peuplé de la République démocratique du Congo. Et c'est un district où il y a beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes d'érosion, il y a des problèmes d'embouteillage, donc des problèmes de routes qui posent problème. Et la population a aussi un problème d'accès aux soins de santé primaires. Et je pense que c'est le travail que nous allons faire. On fera tout ce qu'il faut pour que la population puisse se retrouver. Et je suis également content parce que le bureau de l'Assemblée nationale actuel est un bureau très efficace du point de vue du travail. Et puis c'est un bureau qui respecte toutes les normes. Au départ, on venait à 10 heures, mais la réunion commençait soit à 12 heures ou bien 3 heures après. Mais aujourd'hui, c'est un bureau qui est prompt pour travailler, un bureau qui conduit bien son travail. Et je pense que ensemble avec le gouvernement, la population va se retrouver. On a ces pays parce que 6 mois après l'élection, les lots tous en gouvernement, tous en bureau Assemblée nationale, où ils ont travaillé, ils ont été dans le Mangonios. Et Moussala Nabiso Ezali, tout ça, le contrôle parlementaire, tout Nions où ils ont été pour que le peuple a se retrouver. Ce qui est total, bah, député les lots, c'est 500 à peu près. 100 personnes à Pamba, qui ont eu le mandat passé, 400 autres. Pourquoi échouer? Parce que le gouvernement a promis que le peuple a se retrouvé. Et il y a beaucoup de monde qui a eu le dégât. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le député, qui ont travaillé à la recherche, il y a digestion. Non, nous serons là pour que
to yeba musala o esengeli to tsa gouvernement pression pour que population a se retrouver biso doza bata changu doza bata Kinshasa changuaza eza district où ils les plus peuplés, où ils appellent la première belle, la première insécurité, il y a Banzela, il y a la tête d'érosion, voire même, et puis les soins de santé primaire, il y a maï, voire même l'électricité. Et Moussa, on a dit que pendant vacances parlementaires, tout quitte tout, s'imprégner dans un vrai problème et toucher Tchango. Il y a un monde tout ça sous forme de rapport pour que la réalisation et ça, Malolengue Sengeli. Je pense que vous avez suivi avec moi. Les programmes du gouvernement et qui étaient enrichis par les députés. Et vous savez, c'est un programme qui a touché presque dans tous les coins et dans tous les domaines pour que notre population puisse savourer le bien-être de ce programme. Et alors, nous sommes convaincus qu'avec les nouveaux membres du gouvernement, nous sommes convaincus qu'ils vont travailler main dans la main avec le chef de l'État pour que le peuple puisse avoir les besoins nécessaires pour leur vie. Dans notre pays, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés et dans chaque secteur, il y a des priorités. On ne peut pas donner une priorité à tel domaine et négliger l'autre. Nous avons les six piliers du président de la République qui constitue la priorité du gouvernement. Comme vous le constatez, que nous sommes à la clôture de la session de mars, au cours de laquelle nous nous sommes attelés en tant qu'élus du peuple à mettre évidemment en place quelques dispositions qui ont permis à ce que la République décolle. Notamment, nous avons y installé le gouvernement en validant le programme du gouvernement de la République. Et nous avons aussi, dans la mesure du possible, réfléchi sur certaines dispositions légales émanant, en venant en termes de propositions de loi de la part du gouvernement pour permettre la ratification ou sinon l'obtention d'autorisation de certains prêts. Et évidemment, au-delà de ça, nous sommes des élus du peuple, nous sommes en train de déjà aller en vacances. La joie est normale, nous sommes plus que heureux parce que nous rendons maintenant, nous allons pour rendre compte à la population qui nous a élus. Pendant ces 3 mois de vacances, nous serons là en train de restituer tout ce qui a caractérisé la session de mars. Mais il faudra aussi noter qu'il n'y a pas eu d'intermittence. Nous avons enchaîné avec la session extraordinaire qui était ouverte le 29 janvier. Nous avons combiné au cours de laquelle nous avons mis en place le bureau d'âge. Nous avons voté les règlements intérieurs pour régir l'Assemblée nationale. Nous avons également valider le mandat des élus. Et donc, toutes ces activités méritent d'être restituées à la population qui nous a fait confiance. Et nous allons avec comme recommandation du bureau d'aller aux côtés de ces peuples pour leur faire voir, afin de dissiper tout malentendu qui planerait sur tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Mais je voudrais aussi souligner une chose. Vous avez vu, pendant la validation des mandats, il y a des documents qui remettent en cause l'honnêteté des Bakongo, des peuples Congo. Avec ce que vous avez entendu, je voudrais faire le point. Je voudrais faire le point en ceci. Le nom qui a été cité par la commission, c'est le suppléant du professeur Daniel Mokoko, ministre de l'économie. Le nom qui a été cité par la commission, c'est le deuxième suppléant, s'il vous plaît. C'est une erreur qui a été commise au niveau de l'administration dans le traitement des dossiers au niveau de la commission, mais le nom qui a été cité là, c'est le deuxième suppléant. Nous savons que d'après la constitution, c'est le premier suppléant qui va remplacer le prof Mokoko. Et d'ailleurs, ce deuxième suppléant n'a pas été présent dans la salle. Le premier, Ephraim Tsumbu, a été présent dans la salle et il s'est présenté là-bas. Donc ce n'est pas une erreur venue du prof Mokoko ou un cafouillage, non. Les Bakongo sont honnêtes et nous restons honnêtes, surtout quand vous avez un tel degré de responsabilité comme le prof Mokoko. L'impression est du devoir accompli.
nous venons de clôturer la session du mois de mars. Et le point orgue de cette session a été l'approbation du programme d'action du gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa et l'investiture du nouveau gouvernement. Et je crois que dans ce programme d'action du gouvernement, le point le plus important, c'est le retour de la paix à l'est de notre pays, et particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. Puisque vous savez très bien aujourd'hui, nous ne pourrons rien faire sans le retour de la paix. Et il y a une grande exigence aujourd'hui pour le gouvernement, avec l'accompagnement des élus du peuple que nous sommes, les députés, pour que nous mettions fin à la guerre injuste nous imposée par le pays agresseur. Tunashukuru kuona session ya Assemblée nationale leo inaisha. Tulikuwa kweli na kazi hapa kwa bunge. Na kazi kubwa tulifanya hiyo ni kuitika programme ya gouvernement yetu inakuwa conduit na mama Judith Suminwa. Wabunge waliitika hiyo programme na wabunge waliitika serikali ya mupya ianze kutumika. Na mwa hiyo programu ya government yetu tulikuwa na kitu mbili ya muhimu, ni amani ku inchi yetu, particulièrement ku ma province, ma jimbo ya Est. Tunapenda amani mujimbo ya Nord Kivu, tunapenda amani mujimbo ya Sud Kivu, na tunapenda amani ku Ituri. Tunajua kweli vita hiyo tuko nayo yenye Rwanda inagombanisha Kongo, hiyo vita haitafanyika, hatutaweza ku hiyo vita kama sisi sote serikali na bunge kama tutumike mkono kwa mkono. Tulilomba kweli mama waziri wa kwanza afanye yote chini ya utawala na uwezo ya baba wa taifa mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi, kesho tupate amani. Tukapata amani, tutaangalia mambo ya maendeleo, kwani hiyo ni muhimu ya pili. Na kweli tuliona ndani hiyo hii program ya waziri wa kwanza vitu mingi ya maendeleo iko. Na sisi kama mimi mbunge wa jimbo ya Kivu ya Kusini, nilisema kazi za barabara ziendelee. Mimi nilikuwa liwali wa Kivu ya Kusini, na kuko makweli ma barabara hizo za muhimu sana. Ni barabara route nationale numéro 5 inatoka Bukavu kupita Uvira paka Fizi. Ni barabara kutokea Bukavu kwenda Goma ninapita ndani ya territoire ya Kabare na Kale. Ni barabara ya kutoka Iju Nord kwenda Iju Sud. Ni barabara ya kutoka Bukavu kwenda Shabunda, na ni barabara ya kutoka Bukavu kupita Mwenga na kushuka mu jimbo ya Kasai. Hizo barabara zikafanyika, tutapata maendeleo kwa upekee kwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mepia en general kwa inchi yetu. Tulisema mama waziri wa kwanza afanye yote puke tupate barabara. Puse kama hakuna barabara, inchi tutarudia kumugongo. Na kama hakuna barabara, itakuwa pia ngufu kupata amani. Kwani tunajua meme leo hii kwa ngizi amani ifanyike, nomba jeshi letu iendele kutumika, meitatumika kama barabara ziko. Tulisema pia mamulimo, tulisema pia umeme, tulisema pia maji. Hiyo yote tutatumika mkono mkononi puke hapa mandate ya baba wa taifa tuweze kupata resulta matunda nzuri. Na kazi utafanyika kama tunasikilizana entre Assemblée nationale, Sena na gouvernement yote, gouvernement yetu ya mama Judith Suminwa, kutumika mkono kwa mkono. Na tuliinsiste ku kitu ya muhimu. Ni vizuri kufanya programu, me lakini tunapasha kuifuatilia sisi wabunge, hiyo wanaita suivi et evaluation kila miezi tatu, kuangizi tuone vile serikali iko natumika. Ikatumika vizuri tunaendelea mkononi naye, me ikatumika mbaya tutamwambia arudilie hiyo taifa, hiyo peuple na taifa yetu napenda amani na maendeleo.
Africa cool, et à ben cool, ouais. Africa cool, et à ben cool, le quoi cool ma topi, après toujours, après vous, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et sa chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans et nous avons souscrité à la donc, ils ont vraiment été au balo bakake. Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zalamoana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique donne, l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa cool télévision, voilà, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut na mona Africa cool. Et moni ba chaîne Eza impartial. Et le rôle d'Ababino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme Bisonyoso, tous s'abonner à Afrique cool. Afrique cool, oyo. Zengo, Afrique cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour. Africa cool, et à ben cool, ouais. Africa cool, et à ben cool, le quoi cool ma topi. Après vous toujours, après vous, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et sa chaîne, mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans et nous avons souscrité à la donc, ils ont vraiment été au balo bakake. Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zalamoana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique donne, l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa cool télévision, ouais, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Ouais. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut na mona Africa cool. Et moni ba chaîne Eza impartial. Et le rôle d'Ababino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme nous. Bisonyoso, tous abonnés à Afrique cool. Afrique cool, oyo. Zengo, Afrique cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Je vais vous placer un petit mot par rapport à la récompense, oyo. Ah, je félicite. Je félicite très sincèrement Africa cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication, optimale d'excellence. Voilà. Nazanga mokote tala YouTube yemoko à reconnaître que napona ki mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa cool. Voilà. Comme ça tu partages. Bravo Africa cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. On peut s'abonner parce que trophée Ezali Abino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa cool. Merci beaucoup. Toujours. Ah. La bonnette, toujours.